salut à tous, on se retrouve pour la suite de Legend of Dragon. Du coup, cette fois-ci, on va direction Roxanne pour préparer la défense. Du coup, j'espère qu'on a un accès direct. Il n'y a pas encore une grotte à passer avec un boss, sinon ça va être un peu long. Mais d'après moi, je pense pas. La logique voudrait que non. Après, telle est la question. Oh, tête morphe. Hop. Hop. Raté. Sérieux, je l'ai raté. J'ai appuyé sur le bouton à temps. Bon, c'est pas. Du coup, on perd 2 secondes pour rien, mais bon. Hop là. Easy win. Moi, j'espère que la bataille dans la ville ou à l'extérieur de la ville permettrait d'avoir beaucoup plus d'XP. Oh, y'a quoi en bas? Qu'est-ce que c'est ça en bas? C'est bizarre la forêt. Et vu que c'est comme ça, je pense qu'on va devoir y aller plus tard. Vas-y, c'est Smogogo, Gotadmor. Smogogo. Tu peux déjà fuir, non? 1 2 3 et 4. Volcan. Là, ça fait mal. Mais bon, les items que j'ai achetés sont... Ils sont pas pétés, mais pour le... Disons, quand on passe de 12 dégâts à 36, c'est... Voilà. C'est énorme. En plus, je pense qu'on peut prendre moins... On doit régénérer plus de vie en passant en mode défense. Du coup, elle est où, la ville? Où c'est ça, la ville? Ok, on va voir. Par contre, on voit bien que c'est vraiment... Pile poil sur le... comment ça s'appelle? La limite de la carte. Voilà, on est arrivé à la ville. Allons d'abord au QG. Kaiser du 8ème chef va nous attendre. Okay. Il est où? S'agit-il vraiment d'une ville? De plus un avant-poste qu'une ville. Ouais, la guerre l'a changé. C'est vrai, personne ne souhaitait ce conflit, mais il est inévitable. Concentrons-nous sur nos défenses. Ok. Alors. Où est-ce qu'il faut aller? Où est-ce qu'il faut aller? On va essayer d'abord au fond. Bonjour, voilà. Non, là c'est l'église. Vu comment c'est, ça doit être l'église. Ensuite, où est-ce que ça pourrait... Bon, je présume que ça doit être là en bas. Même si l'auberge m'aurait bien été utile. Ouais, c'est là. Bonjour! Kaiser, ça faisait longtemps. Lavis, bienvenue, j'ai appris pour ta compagnie. Oui, c'est de ma faute. Mais je ferai en sorte que mes hommes ne soient pas morts en vain. Je mettrai un terme à la guerre pour unir Sergio, je le jure. Nous devons tout faire pour nos rêves se réaliser. Ouais, bon, je t'emmène 2 vaillants compagnons d'Art et Chana. Oh, c'est toi qui as sauvé la vie. Je suis Kaiser, commandant du 8ème chevalier. Enchanté. Peux-tu me dire quelle est la situation? Nous nous préparons une attaque de Sandor. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'il risque de faire appel à un dragon. Mieux vaut fortifier nos positions et les laisser venir plutôt que d'attaquer un dragon dont nous ignorons tout. Tu les prendras de la distance à laquelle nous les repérons. C'est vrai, tu as raison, Dart Lavitz, pourquoi ne serez-vous pas de garde cette nuit? Shana, tu resterais à l'abri. Pourrais-tu faire de la cuisine pour mes chevaliers? Moi, faire de la cuisine d'abord, tu vas adorer ça, Dart. Mais il est sexiste, ce jeu. J'en savais d'avance. Je me fais un peu de soucis. Quoi, la mère de Lavitz m'a fait un compliment? Ça a l'air mangeable. Je n'apprécie pas la remarque de Lavitz. Moi, je peux manger n'importe quoi, faisons beaucoup. Quoi, ça, ça l'aide pas. Moi, je me moque du coup du moment que ça se mange ici. La pauvre. Oh putain. Kaiser, pourquoi est-ce que la situation s'envenime? Moi, j'essaie juste de l'aider à se détendre. Bien, maintenant que l'affaire est entendue, je veux que Dart et les autres fassent le tour de Wax. Les gardes nuits doivent connaître les environs. Revenez quand vous aurez effectué votre petit tour. Lavitz, reste avec moi. Je veux exactement la situation avec toi. Ok. Alors, on y va.
Essayez de vous entendre. Ouais, d'accord. Du coup, puisqu'il faut un peu explorer le village, allons explorer. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Bonjour madame. Maintenant, ma maison est parfaitement protégée. Je suis pas sûr. Hein. Pas parce qu'il y a des soldats que c'est potentiellement protégé. Bonjour. Je pense que nous devrions quitter la ville. Oui. Je pense que les civils devraient quitter la ville. Ça éviterait des otages et tout le reste. Pardon. Ne pas repérer les ennemis à temps revient à perdre. Les gardes doivent rester vigilants à chaque instant. Et s'ils dorment, ils doivent faire quoi? Bref. On va explorer chaque recoin, ça peut être intéressant. Pardon. Oh, il y a un coffre. Chercher. Bonjour. Potion de guérison, peut-être intéressant. La rumeur d'un con, c'est peut-être une diversion dans l'Empire Sardonne. Une telle créature ne peut exister. On en a vu juste une au début du jeu, mais. Mais c'était plus une montre religieuse qu'un dragon pour moi. Enfin, c'est peut-être considéré comme un dragon. Mais bon. Parce qu'un dragon, ça a des ailes, ça vole, ça crache du feu, des foudres, enfin tout le reste. Ah là là. Ah merde, il y avait un coffre, j'avais pas vu. On va faire un remontant, on va le chercher. Bonjour madame. Eh bien, nous avons de la visite. Je suis Dard, je participe à la défense. Pourquoi avez-vous pris votre bébé? What the f... Qu'est-ce que vous racontez? Oui, c'est que... C'est encore un peu trop tôt. Oh, quand... Quand vous rendiez visite à une sage-femme très connue, je me suis dit que vous vouliez des conseils pour votre bébé. N'hésitez pas à me revenir si vous en voulez. Hein, c'est à moi. C'est moi qui ai été la sage-femme du roi Albert. Dans ce cas-là, vous connaissez déjà ce pays avant le début de la guerre. Oui, c'était il y a 20 ans. Le roi Carlos est décédé et son jeune frère Dol a décidé de faire succession. Je ne supportais pas que sa majesté Albert, qui n'avait que 6 ans, devienne roi à sa place. Dol et Carlos étaient autrefois très proches. Pourquoi cela a-t-il changé? Nous devons y aller. Travaillez dur tous les deux. Si vous avez besoin de mes services, revenez me voir. Si nous avons besoin d'une sage-femme, vous voulez dire. Merci. Nous avons de la chance, Dart. Ah là là. On te l'a foutu un coup de pied en arrière. Bref. Alors, du coup. Le coffre. Merci. Des sous, on vole les vieux maintenant. C'est pas bien. Ah là là. Du coup, je pense avoir fait le tour, puisqu'on peut pas monter par là. Ouais, c'est ce que je disais. Bah, si, on peut monter. Bonjour. Là, il y a une belle vue. Ah, ok. Du coup, ce qu'on va faire, on va se diriger à l'auberge. Avant de se. Perdre et faire 300 fois le tour pour rien. Dedans les portes qui s'ouvrent comme ça. D'un coup, poup. C'est bien l'année de Digimon. Alors, ensuite par là. Lol. Est-ce que je peux dormir pour me régénérer? Je fais une sieste. Y'a un coffre. Comme ça on régène tout, c'est jamais. On va se préparer à la guerre. Hein. Ah, prière d'ange, nice. Bah voilà, ça sert à rien d'y aller. Hop. Du coup, qu'est-ce qu'il nous manque comme endroit? Là non, l'église. Cette guerre est l'épreuve de Dieu, c'est vraiment tolérant ça. Du coup, il faut que j'aille où? En retournant là.
Bon. Chassez-vous, je vous emmène. Vous... Ah, moi, je veux bien. D'accord. Votre réunion stratégique vient de s'achever. Je vous emmène à votre position. Ok. Gardez la porte de derrière. Pour moi, c'est porte de devant. Elle se trouve en bas d'escalier. Pour moi, c'est la porte de devant. Allons vite relever la garde. Ouais, super. Ça va être bien. Du coup, par contre, pourquoi est-ce que le son a baissé tout d'un coup? Alors que normalement, c'est pas censé faire ça. Enfin. Voilà. Du coup, on va aller relever la garde. Bonjour, on vient vous relever. Je suis venu te remplacer, tu peux nous faire confiance. Oui, monsieur. Si le sort nord attaque, ce sera cette nuit. Il ne faudra pas s'endormir. Reposons-nous tant qu'il fait jour. Mais non. C'est calme ce soir. Si le dragon approche, nous nous apercevrons. Pourquoi? Tu entends dans la forêt? Ce sont les chouettes. Preuve qu'il n'y a personne dans les bois. Bon, je vais me chercher un petit quelque chose. Tu te fais des soucis pour Shanna. Ce n'est pas ça, mais rapporte-moi aussi quelque chose. Ouais, c'est où les cuisines? Ouais. Il y en a comme ça coupé d'un coup. Les chouettes. Wow. L'ennemi arrive! Il va se faire tuer, descendre l'échelle. Non? Ah, bah non, c'est celui-là, ok, bon. En avant, les chevaliers, renforcez le portail. Toi, occupe-toi des blessés. Ouais! Sauf qu'il est mort, lui. Hein. Nous les repousserons. Wow. Au combat! Ah, c'est 2v2, d'accord, je crois que c'était un... Alors, est-ce qu'ils vont faire mal? Hop. Ah, hop. Aïe, Dart. Voilà, je suis. Ouais, ils ont beaucoup de points de vie. Volcan. Ah, ok. Aïe. Ah, les Dark 2. Hop. Et hop là. Volcan. C'est rapide. Ah, premier combat aussi. De level up, non? Pas encore. Mais 50 d'XP, mais c'est VS divisé par 2. Wouah, faites long. Qu'est-ce que... Wow. C'est ça le QG de l'armée du Basile, que qu'elle n'est nulle. Je garde le haut. D'accord, je m'occupe du bas. Je veux t'affronter, toi. Tu as du cran pour venir ici tout seul. Je suis là, moi aussi, j'ai eu ceux du bas. Un ou deux, ça ne fait aucune différence. Les vantards sont toujours minables. Ouh, ça c'est le boss. Ça c'est le boss. Oh, des... pourquoi que des ninjas? Oh là là. What the fuck? Ah là là, l'attaque bizarre. Bref. Allez, hop. Sac à PV. Volcan. Oh, je l'ai mis cher.
Où je lui Michel. Hop. Et hop là. Multiclonage. Non. Ouah, boule de feu. Aïe. Voilà, il y en a qui pas compris la différence de dégâts, moi, enfin. Hop. Hop. Volcan. Je l'ai pas encore entamé. Ah. C'est tout? Ok. Aide. Oh, pourquoi ils défendent tout le temps? Allez, prends tes coups. Volcan. Non. Kagebushi no Jutsu. Putain, mais c'est quoi cette différence de dégâts reçus? C'est pas croyable. Allez, Dart. Ah, enfin. Putain, mais... Volcan. Ouh. Fini de jouer, je ne prends plus de gants. What the fuck. C'est quoi cette traduction pourrie? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Ouah, je le savais. Maintenant c'est me tu me vaincre. Aïe. La vie, je vais te donner une petite quoique potion tout de suite ou pas? Ouais, il faut faire vite. Voilà, 99. Du coup, Dart, si tu peux attaquer. Ok. Choisis son. On commence par celui à gauche. Volcan. C'est lui ou pas? Ah, je l'ai eu. Oh, pif. Encore. Milieu ou droite? Oh, droite. Ah, c'est le faux. On serait douté que c'était milieu. Volcan. Non. Putain. Je voulais pas faire ça. Bon, ça. C'est pas du tout ça que je voulais faire, mais enfin. Ah. Attention, la vitre va prendre cher. Oh, tourbillonnant. Coucou. Bon, ce sera du milieu, je présume. Donc le prochain est à droite. C'est Volcan. Hop. Et hop là. T'as toujours pas. Vas-y. Et hop là. Volcan. Yes! GG! C'est bien compliqué. Yes, level up. Dommage que ça ne sonne pas quand tu level up. Bon, faut faire. Arc. Wow. Quel est ce géant? C'est un giganto. Ok, un giganto.
Lafitz, j'en ai entendu parler et il existe. Ceux qui l'ont affronté n'ont pas été de tête de le battre. En tout cas, ce n'est pas un dragon. Vas-y. Aïe, 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 aïe. Encore un boss. Oulala. Ah là là. Allez, go. Hop. Hop. Allez, vas-y, fais-le mal. Hop. Hop. Et hop là. Volcan. Oula. Bon, je perds que pas beaucoup de points de vie, mais bon. Et hop là. Volcan. Hop. Kongol, pas besoin d'armes. Kongol te massacrer avec les mains. Oula. Je le sens mal. Hop. Et hop là. What? What? Ok. Ah 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 ah. Aïe. Putain. Là oui, ça fait mal. Du coup, on va essayer de se soigner. Commencer par Dart, le pauvre. Ah ah ah. Ouh. La vis, je soignerai tout seul. Allez, vas-y. Hop là. Volcan. T'as 30 dégâts, il se prend. Je rate pas, voilà. Ouh, il a pris cher. Ouh, il a pris cher, la vie. Volcan. Bon, du coup, je vais le passer en mode défense. Non, quand je vais le heal. Ah bah. Ouh, là. Ok, ok. On va soigner. Cœur d'ange. Reviens en vie. Ensuite. Allez, bientôt KO. Et hop là. Ah, ça fait mal. Là, il fait mal. Hein. Ça, c'est un vrai boss. Allez. Volcan. Ah. Oula. Il s'est pris un coup d'art venu d'ailleurs. Il est venu d'ailleurs, ce coup. Oula. Oula. What the... Qu'est-ce que c'est... Comment ça on se réveille? Non mais attends, comment ça on se réveille? Dragon du dragon aux yeux rouges. Ok. Ok.
Ouais, j'ai la puissance du dragon, vas-y, pète tout. Sauve les voix. Waouh. Oh, il a battu. Yes. J'adore le sol comme il s'éclate. Oh, nice. Qu'est-ce que... Normal que ça soit lent. C'est cinématique. Qu'est-ce qu'elle est venue faire, celle-là? Ok, super bracelet. Sceptre Typhon, ok. J'ai eu un... qu'est-ce que c'est... Pourquoi elle? Pourquoi? Ce ne sont pas des humains. Dartu, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je l'ignore, je n'en sais rien. Le chevalier des dragons. Le dragon vient de naître. Toujours en vie, ça m'étonne. Giganto, pas mourir. Giganto, se venger. Ouais, c'est ça, fuis. Dart, tu n'y risques rien. Que s'est-il passé? Revoir le visage de Shanna me soulage. Bon. Elle est fatiguée. Hein. Utiliser le son pouvoir pour la première fois, ça doit être fatigant. Ah là là. Bon, du coup, on a un dragon. Yes. Qui es-tu pour Dart? Que lui as-tu fait? J'ai juste été... Et vous voulez bien arrêter tous les deux? Vous devriez me remercier au lieu de me crier dessus. Ça va mieux, Dart? Je suis heureux de te voir réveillé. Ah. Tu es... Rose, heureuse de te revoir. Tu connais Dart. Je l'ai déjà vu, je lui ai sauvé la vie, et pas qu'une fois. Je veux que ce soit lui qui me le dise. Qu'on m'explique, je suis moins plus mal. Rose m'a sauvé la vie. C'est grâce à elle que j'ai pu revenir à Céleste. Mais alors, ce guerrier qui t'a sauvé du dragon, c'était... Oui, c'était elle. À propos, je t'ai même pas remercié. Ce n'était pas nécessaire, j'en avais envie. Je vois, mais que fais-tu ici? Ne me dis pas qu'il s'agit d'une coïncidence. Je t'ai suivi car je suis fasciné par cet artefact que tu possèdes. L'âme du dragon aux yeux rouges. Tu l'as? Oh. Cette tueur serait... Tu mérites de commander au dragon. Cette tueur le prouve dès que l'âme du dragon commence à luire, tu dois accepter le fait que tu es un dragon, tout comme moi. Waouh. J'ignorais que le souvenir de mon père possédait un tel pouvoir. Et comme je disais dans le truc, son père était un dragon. Tu as sauvé Art car tu savais... Je n'étais pas sûr. C'était un test pour voir s'il pouvait être un dragon. Si ce n'était pas le cas, tu serais déjà mort, Dart. Comment sais-tu tout cela? Tu connais des choses que personne ne devrait savoir. Cela vaut mieux que d'être ignorant, pas vrai? C'est vrai. Mais ton savoir n'est pas anodin. Il a un trait aux histoires et aux légendes perdues. Le ministre Nox m'en avait parlé. Ces ailes qui ont conduit les humains à la victoire, l'autre de la campagne des dragons. C'était les dragons. Mais était-ce juste pour cela que tu m'as protégé? Parce que une âme de dragon brûle en moi? Honnêtement, je me suis surprise moi-même. Mais pourquoi? Je sais pas pourquoi. Mais maintenant, je sais pas pourquoi. Vous me rappelez mes amis d'antan. Tous les trois, ils vivaient dans un monde troublé. Mais ils se sont montrés assez forts pour maîtriser leur destinée. Attends, quoi? Elle vient du passé, hein. À tous les coups. Ils savaient quoi faire, où aller, qui combattre, qui protéger. Je sens que c'est pareil pour vous. C'est pour ça que j'ai agi. Vous me comprenez maintenant? Ouais. Je peux te poser une question? Tes amis, que sont-ils devenus? Morts. C'est le passé tout ça. Ouais, c'est ce que... Pardon. Je crois que je t'ai mal jugé, Rose. Ce n'est pas grave, je suis habitué à ce qu'on me haïsse. Pourquoi? Parce qu'elle a les... On dirait qu'elle a des oreilles.
Sir Kaiser est-il là? Le 7ème fort doit faire face à un violent assaut des Sandor. What the fuck? Encore? Le 7ème fort des marais subit actuellement l'assaut du dragon. Le 10ème et le 13ème chevalier ont presque été défaits, mais nous sommes toujours en contact avec les survivants. D'où est-il venu? De la forêt surplombant le volcan de Vulu. Apparemment, il y aurait là un antre de dragon. Oula! Des gigantos, des dragons, ce n'est pas une guerre d'humains. Si nous venons pas à bout du dragon, nous sommes perdus. Réunissez tous les chevaliers, nous allons dans l'antre des dragons. Les chevaliers ont l'avantage du nombre, mais ce sont des humains. Ils n'ont aucune chance contre un dragon. Si cela continue, le bazar sera annihilé. Il nous faut essayer. Crois-tu qu'il soit honorable de sacrifier pour rien? Mais les dragons peuvent gagner. Dark, tu dois comprendre que nous ne sommes pas comme les autres. Nous sommes des plus qu'humains. C'est vrai ça, les dragons commandaient autrefois aux dragons. C'est donc qu'ils peuvent les combattre. Peut-être que j'en suis capable. C'est parti, j'ai ressenti le pouvoir du dragon en moi. Ouh. Je vais le faire, je crois que j'en suis capable. Ouf, je me sens mieux. Plus personne n'est en état de combattre au 8ème de... Au 8ème de chevalerie. Dart, Rose, je crois que vous êtes notre 8ème espoir. Kazer, tu saignes? Je vais bien, Dart, Rose, le basil est perdu. Si nous parvenons pas à vaincre le dragon aussi. Tu peux me faire confiance, je vais me battre pour vous. Je viens moi aussi. Mais je ne suis pas sûr que ça suffise. Shanna, tu devrais rester. Non, moi j'y vais, moi aussi je peux aider les autres. On l'entend ici le dragon. Febrand, le dragon défense de Vert. Celui-là qu'on a affronté. Je recommence à avoir peur comme avant. Tu ne sais pas encore ce que c'est la peur. On va défoncer du dragon. Par contre, je veux bien régénérer. Est-ce que c'est régène automatiquement ou pas du tout? Du coup, attendez. Remplacer, est-ce que c'est possible? Oh oui, c'est possible. M'en fous, j'ai un dragon, je le mets. Tout le monde full life. Nickel. Du coup, c'était super. Comment ça? Ce Dart là, il portait une armure incroyable, il a combattu Kongol. Tant que Dart est avec nous, il n'avait plus rien à créer de l'Empire Sandor. Dart est le merci du royaume du Basile. Le Messie. Tu ne seras pas un vrai dragon tant que tu seras étourdi par la violence de ton pouvoir. Alors dis-moi comment faire, Rose. Comment un dragon combat-il? Commençons. Ah ok. Bon, vous savez quoi? On va se laisser là, je vous montre juste ça, mais moi je coupe le micro comme ça, autant que les explications sont en plus. Du coup, si vous avez aimé, laissez un petit pouce bleu, pouce rouge, un commentaire, et on se retrouve la prochaine fois pour la suite de Legend of Dragoon. Et d'ici là, portez-vous bien!
Gardez-vous.